les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait mais tellement longtemps que je voulais vous ramener ici en Allemagne. Je vais très souvent ici dans ce food lounge à Saarbrück qui se situe dans l'Europa Galerie, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est juste génial, ça ressemble un peu au concept des food courts que je vous avais déjà montré quand j'étais à Londres. C'est un petit peu pareil. Prenez où vous voulez, voilà, et vous mettez assis à la même table, c'est génial. Donc j'ai trouvé un petit magasin bio en bas dans la galerie et regardez ce que j'ai trouvé. En fait, je ne sais pas trop ce que c'est, mais apparemment ce serait une bière avec au gingembre, avec seulement 3,7 degrés d'alcool. Vassa, Ingwa, sirop, en gros il y a de l'eau, il y a du sirop du gingembre, Hopfen, je ne sais pas ce que c'est, et du sirop de riz. Voilà, voilà, voilà. À tout de suite voir ce que ça donne. Denis fait mise au point sur moi, allez, c'est parti. J'adore. Si vous aimez tout ce qui est fermenté, eh bien, vous allez aimer. En plus, c'est un petit peu sucré et le goût du gingembre, enfin, c'est tout ce que j'aime. Bouteille en verre, les amis. C'est consigné. Et signé con. Ça coûte 2 euros, ça va? C'est honnête? Moi, j'adore. Au Asia Home, j'ai déjà goûté la soupe de curry avec des crevettes, des nouilles udon. C'était trop bon, ils mettent de la pâte de curry dans la soupe. Mais là, on va manger libanais chez Damas, les amis. Are you ready? J'espère que vous êtes prêts, hein. Je suis pas venue pour rien. Hein? Bon. Allez, on y va. Sous mon sein, la grenade. Sous mon sein, la grenade. Asia Home. Les amis, on est parti pour falafel. Sandwich au falafel et puis mich-mich de houmous et de caviar d'aubergine. C'est parti. Et honnêtement, c'est lourd. Vous en avez pour votre argent. 3,50€. Et là, on a une belle assiette. Mi-houmous, mi-caviar d'aubergine. J'espère que c'est du caviar d'aubergine. Ah, j'ai oublié les couverts, tiens. Oh, le petit pain libanais, là. Il est en libre service, donc vous en prenez autant que vous voulez. Regardez. Hop là, dit. Et voilà. Et après, vous pouvez jouer au frisbee comme ça. Voilà. On va commencer par... Par quoi? Parce qu'il est chaud, hein. Faisons les choses dans l'ordre. Réfléchissons 2 minutes. Ça changera d'habitude. Bon, allez, je suis pas comme ça. Je vais essayer de vous donner faim encore un petit peu. Oh, mais non. Oh, mais non, touré. Alors, pourquoi j'ai choisi de venir ici à Damas? Parce que j'avais le choix. Parce que c'est épicé, parce que c'est frais, parce que si tu es végétarien et que tu n'aimes pas trop la viande, il y a ce qu'il faut. Mais vous avez vu les poulets frits qu'ils font? KFC n'a qu'à bien se tenir, hein. Ce sandwich vaut 3,50€, l'assiette de houmous 4€, j'en ai eu donc pour 7,50€. Là, je peux te dire que je serais repu, mais pu et repu, et re-repu. Alors, on va voir, mais non, ça c'est pas d'aubergine ça, si? Si, je crois que c'est d'aubergine. C'est toujours bien épicé, il y a un petit peu de vinaigre ou je sais pas, quelque chose qui relève le goût et c'est toujours très bon ici. Alors lui, je l'ai déjà goûté aussi. Avec une feuille de menthe. C'est ça que j'aime bien aussi, tu vois, t'as des herbes fraîches. Ça passe bien. Tu vois, je vais mettre un peu de citron aussi. La cuillère réapparaît. Donc vous avez vu, ils font aussi du kebab, hein. Il y a une brochette de poulet qui tourne en continu, ils appellent ça le shawarma, eux. Voilà les amis, moi j'adore venir à Saarbrück, je trouve cette ville trop trop bien. On est en Allemagne, donc forcément il y a des habitudes, il y a des mœurs qui sont différentes qu'en France. Ça fait du bien un peu de s'ouvrir aux autres et de voir comment ça se passe ailleurs. Sur ce, les amis, je vais vous quitter, je vais tranquillement finir de déguster ces mets raffinés. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.
Mais surtout, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je revienne en Allemagne. Parce que oui, bien sûr, je vais en revenir. Est-ce que vous voulez que je sorte ma caméra à cette occasion? Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager un maximum. Abonne-toi. À bientôt, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Je lance le jingle. Non, si Gisèle Chelly dit, fais le régime Bed Batchers. J'ai déjà fait le régime Bed Batchers. Bah alors, t'as perdu combien? 3 000 balles.